Sister. Titovka? Dada. Zalivám se. Začni. L'usage des armes chimiques et bactériologiques est interdit au terme du protocole de Genève de 1925. Dans les montagnes du Karmak, loin de l'Occident, les unités spécialisées de l'armée d'occupation expérimentent pourtant un prototype d'armes chimiques particulièrement performant. Un gaz encore plus meurtrier dans l'eau que dans l'air. Cela s'appelle l'opération Ypsilon. Nous sommes à Istanbul. Le journaliste Germain Langelier, qui a réussi à ramener jusqu'aux portes de l'Occident un exemplaire de l'arme chimique Ypsilon, n'a pas de chance. De mystérieux infirmiers viennent d'enlever ses deux compagnons de voyage, le docteur Christine Martial et son blessé, le chimiste dissident Victor Tokarev. Istanbul, vous aimez? Ça suffit. Je veux prévenir mon ambassade. Son ambassade? Et pourquoi pas la police? Qu'est-ce que vous nous voulez? Vous êtes fous? Oui. Ni les uns, ni les autres ne savent où se trouvent les trois éléments de la bombe Ypsilon, dissimulés séparément et à leur insu par l'Angelier. Non, monsieur, verboten! Polizei, polizei! Le journaliste, lui, a toutes les raisons du monde pour courir après cette ambulance qui emporte ses espoirs. Optal! Perdu, les 50 000 dollars que News Magazine lui offrait pour ramener en Occident avant l'ouverture de la conférence sur le désarmement, la preuve de l'utilisation des armes chimiques. Slow down.
Stop. Cet homme est blessé, il a besoin d'être soigné. On va le soigner, par là. Salaud! Allez, parlez moins fort, excité. Et vous, qui êtes-vous? Matahari, la concierge ou la maîtresse du chef? Vous irez en prison, je vous le jure. Mais bien sûr, mais d'abord, on va parler un peu. Mais moi, je ne veux pas vous parler. Mais tu vas te calmer. Tu calmes, là, hein? Allez. Vous êtes fous. Avancez. Bienvenue, monsieur, bien que je ne sois pas chez moi. L'Angelier est là. Et voilà mon docteur. Bonjour. Merci de vos bons soins. Je vais pouvoir vous rendre la politesse. Mais on va d'abord s'occuper du malade. Enlevez ça. Il est sous la protection de médecins des hommes. Vous n'avez pas le droit. Oh, première nouvelle. Quelle surprise. Mon vieux camarade Tokarev. Bravo. Et on vous dit efficace. Ce n'est pas le journaliste, c'est le camarade Tokarev. Celui que je n'espérais plus revoir. Vous avez fait une grave erreur. Mais il était... Il voyage sous le nom de l'Angelier. Comment on pouvait le savoir? Vous deviez le savoir. Vous êtes payé pour ça. Vous êtes des amateurs. Monsieur l'Angelier s'est moqué remarquablement de nous. Mais vous, vous allez nous aider. Dans cette boîte, il y avait trois éléments d'une arme chimique. Ils ne sont plus là. Où sont-ils? Madame a peut-être une meilleure mémoire. Je ne sais pas de quoi vous parlez. C'est la première fois que je vois cette boîte. Vous devez me conduire à mon ambassade tout de suite. Je suis navré. Mais vous ne partirez pas d'ici sans nous avoir renseigné. Mais vous êtes fou ou quoi? Allez-y. Où sont les flacons? Réponds! Sinon, Kamel s'occupe de toi. Quel flacon? Ne fais pas l'innocente. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Mais laissez-moi! Tant pis pour toi. Adieu, les larmes de
la terre. Non ! Arrête ! Ces trois flacons représentent un grand danger s'ils tombent dans des mains irresponsables. Pas seulement parce qu'ils peuvent tuer des centaines de milliers de personnes, mais aussi parce que mon gouvernement tient à ce que la conférence de Québec sur le désarmement ne soit pas troublée par une campagne de presse. Vous êtes partisan de la paix, mademoiselle Martial, n'est-ce pas? Alors, aidez-nous. Mais je ne sais rien. Je suis médecin, j'ai soigné des blessés, c'est tout. Vas-y. Tokarev répond où on la pique. Si on la pique, elle meurt. Accident. On ne verra même pas la trace. Laissez-la tranquille, elle ne sait rien. C'est l'Angelier qui les a, tu le sais très bien. Bien alors, dis-nous, où est l'Angelier? Je n'en sais rien. Tu voyages avec ses papiers, tu devrais la savoir. Voyage sous quel nom, lui? Docteur Georges. Non, tais-toi. Docteur Georges Lebrun. C'est... Non, raisonnable. Il se trouve où, le docteur Lebrun? On ne sait pas. Ah bon? Je vous laisse 10 minutes pour réfléchir. Vous avez fouillé leur bagage? Non, j'y vais. Encore bravo. Vous n'avez même pas pensé à ça. Il faut tout vous dire. Ça te plaît de torturer les femmes, hein? Sors ton revolver, doucement. La veine jugulaire, tu connais? Sors ton revolver, doucement. Ne bougez pas! Lâchez vos armes! Face au mur. Allez, toi aussi! Toi, la grosse valet détachée. Allez! On veut seulement les 3 pièces. On va payer cher. Ah oui? Combien? 100 000 $. Oh, c'est pas très généreux, hein? De toute façon, je suis plus vendeur. Bouge pas! Ou je te fais bouffer l'herbe. Ramasse les armes. Allez, surveillez-les. C'est une grosse erreur, Tokarev. Oui, peut-être. Mais j'ai envie de tenter l'expérience. Tu seras un homme seul. Toi aussi. Si tu rentres à la maison sans les prototypes, je n'aimerais pas me trouver à ta place. L'accident, ils vont te presser comme un citron. Et après, ils te jetteront. Allez tous au placard. Laissez-le. Jamais vous ne pourrez plus avec lui. Non, il vient avec nous. Laisse-le, laisse-le. C'est une ordure, allez, à la voiture. Emmène Victor. Tous au placard. Allez. Allez. Allez, allez. Allez plus vite. Avancez, allez. Allez. Non. Écoutez, laissez-moi là. Allez, au placard. Tiens, on laisse la poste pour rien. Soyez réaliste. C'est une affaire au-dessus de vos moyens. Oui, j'ai déjà entendu ça d'un autre clown. Au placard. Vous êtes suicidaire. Écartez-toi. Roger, vous entendez? Jamais vous ne quitterez ces pays du monde. Il faut arracher les fils. Non, non, sous le volant, là. Il faut tirer le poignet. Les fils sont sur la droite, je crois. Ici, là, dans le trou. Tu connais les Mercedes? Oh, tu sais, chez nous, il y a beaucoup de Mercedes. Toutes les dignités, elles ont des Mercedes. Bon, allez. Oh, merde, je conduis une automatique. Moi, je sais plus comment ça marche. Allez, vite. Le premier en option. À l'aéroport. Non, très dangereux, il faut te surveiller. Bon, alors tout droit. Ah,
aurait eu chaud. Toi qui cherchais l'aventure, t'es servi. Oui, mais maintenant que le western se termine, vous allez pouvoir m'expliquer ce que c'est que cette histoire de trois flacons? C'est le prototype d'une arme chimique qui était dans l'hélicoptère qu'on a abattu dans le Carbac. Alors je l'ai récupérée pour la ramener en Occident, c'est tout. C'est tout? Non, mais je rêve. Un truc qui peut déclencher une guerre mondiale et c'est tout. T'étais au courant, toi, évidemment. Il faut leur rendre, sinon nous sommes foutus. Non, mais monsieur plaisante. Je t'ai déjà sauvé la mise deux ou trois fois, alors me fais pas regretter. Et où sont-ils, ces fameux pots de poison? Nous les avons cachés. Ils sont en sécurité. En sécurité? Non, mais vous allez me rendre complètement hystérique, Germain. Moins tu en sauras, mieux ça vaudra. Pour ta sécurité, justement. Enfin, t'arrêtes pas là, il y a des flics. Non, mais qu'est-ce que tu fais? Je me conduis enfin en personne normale. J'avertis la police locale et l'ambassade du Canada. Je téléphone à ma mère, je me couche, puis je dors. Cinglé. Trudeau. Victor voyage toujours sous un faux nom, on risque la prison ici. Mais je préfère la prison plutôt qu'être torturé par des fous qui recherchent des fioles de gaz que j'ai même jamais vues. Maintenant, on fait le calme, c'est compris? Tu marcherais sur des cadavres, hein? Moi qui croyais que tu pouvais changer. Non, mais t'as eu tort. Ne vous dérangez pas pour moi, continuez. Je vais boire un thé. Très bonne idée. Alors, un, on va boire un verre. Deux, on appellera l'ambassade du Canada. Et trois, on essaiera de rejoindre l'aéroport. D'accord? Burada gerillalar yıllardır umutsuz bir direnişi sürdürmekteler. Bu direniş tanklara karşı tüfeklerle yapılıyor. Uluslararası haber ajanslarından alınan haberlere göre istilak kuvvetleri bu yörede büyük ölçüde bir saldırı çekmişler. Bize ordu tarafından iletilen bu belgede Peşni sınırına yakın Karnak Ablaş bölgesinin ünlü gerilla şefi Valid'i tanıyabiliriz. Valid büyük bir ihtimalle aç ve güçsüz ve silahsız teslim olmak zorunda kaldı. Il faut dénoncer l'existence des armes chimiques. Il faut faire ça pour eux. Et pour toi, ça rapporte combien? Un maximum. Bon, je vais téléphoner. Téléphone. Oui, mauvais. J'ai une cousine chez les sœurs franciscaines. Elle est très jolie aussi. Ah, cette famille. Je te la présenterai si tu veux. Ah non, non, non. Une seule bonne sœur me suffit. Alors on fait quoi maintenant? On détourne un avion? Non, le samedi, les services de l'ambassade du Canada à Istanbul sont fermés. Mais le commandant Schumann nous y attend. Contente? Il attend quoi? Nous, nos cadavres ou les flacons? C'est plus la peine d'être hystérique. Les services canadiens s'occuperont de lui. Ils le protégeront. Vous serez en sécurité. Je te remercie de te soucier de nous. Je ne m'occupe pas de vous, moi, je m'occupe de moi. Allez, il faut y aller. C'est mieux, mais News Magazine m'offre 500 000 dollars. 300 000 ou la mort pour vous trois. Écoute, Otchenko, dans 30 secondes, on sera dans l'ambassade du Canada. Ah oui?
derrière de l'ambulance. Vous voyez Kamel? Regardez maintenant devant vous. Vous voyez ma voiture? Bon, alors Germain, on fait quoi maintenant? On appelle Zorro? Rodchenko, vous n'oserez pas. Je ne vous conseille pas d'essayer. J'ai des ordres. Ordre de Drampos donner les hommes, hein? Écoutez, vous n'arriverez pas à l'ambassade. Rendez-moi les flacons. Rendez-moi Tokarev. Et rentrez chez vous tranquillement. Si je vais me rendre. C'est ça, attachez vos ceintures. Toujours derrière. On va quand même pas faire les 24 heures du Mans. On va aller à l'aéroport. Faut prendre à droite. Non, non, c'est à gauche, j'ai vu le panneau. Merde, les flics. Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est formidable, ils vont nous ouvrir le chemin. Allez, suis-les, suis-les. Ils nous amènent à l'hôpital. Qu'est-ce qu'on fait? La bonne mine. Ils ont pas lâché. Il y a quand même un bon Dieu. Vous faites ce que vous voulez, mais moi je reste ici. Merci. Ça va, monsieur Tokarev? Oh, je n'ai plus de pays. Je suis tout cassé. On veut me tuer, mais la soupe est très bonne. Ben, alors, chef? J'ai envoyé le message à l'ambassade, mais rien. Schumann va nous chercher dans toute la ville. Tchenko aussi? Non, lui, il ne cherche plus, il a trouvé. Pourquoi t'as pas téléphoné? Que les franciscaines sont toujours au 17e siècle. Le téléphone ne marche pas. Quand même, on ne va pas rester à attendre ici. Enfin, la nourriture ne te convient pas? N'oublie pas que c'est toi qui le cherches. Sans toi, on serait déjà à Montréal. Non, c'est la bombe qu'ils veulent. Donne-leur ce qu'ils cherchent et ils nous laisseront tranquilles. Même si tu dois gagner moins d'argent. Plutôt crever. Après vous. Allons, mes sœurs, ne gênez pas nous. J'ai contrôlé. Le téléphone n'est pas en panne, il a été coupé. Ça arrive souvent? Ça arrive. C'est eux, c'est sûr. Ma mère, je dois vous prévenir. Vous courez des risques. À Beyrouth, médecin des hommes a pris aussi des risques pour nos sœurs. Ici, vous êtes dans votre maison. Qu'est-ce qui se passe? Ma mère, tu es malade! Venez, les gars, ici, c'est arrivé. Il faut vous cacher. Vite, suivez-moi. Ici, par ici.
Propitius pacem in Diebus nostris, ut opa misericordia tua adiuti, et ad peccatus simus semper libide, et ad omni perturbatione securi. Pardon, mon père, ces gens ont besoin d'aide. Libera nos quesum stomi, abomibus malis preteris, vis presentes et futuris, et intercedente beata et gloriosa semper Virgine Dei Genitrice Maria, cum beatis apostolis tuis Petro et Paolo. Dehors, Tokarev. Vous sortez. Tu mourras, toi aussi. Je n'ai plus rien à perdre. Je te promets ta grâce. Tu es chimiste. Tu pourras continuer à travailler. La chimie qui me plaît, c'est celle des plantes. Et surtout pas les gaz. Reviens à toi, Tokarev. Dehors, tous. Si vous ne veux pas sortir dans 10 secondes, je les mets en marche. Même si la moitié des personnes de la ville doit mourir. Dehors! C'est du bidon. Bouge pour voir. Oui. Et tu l'aurais fait? Mais je ne sais pas. Mais bien sûr qu'il l'aurait fait. Il l'aurait fait, ce con. Je ne veux plus me balader avec ça. Mais démonter, elle n'est pas dangereuse. Ton idée était bonne. Chacun le sien, chacun un morceau. Très bien. Les trois pièces sont à moi. Tu nous préfères un porteur aveugle? Alors? Qu'est-ce que tu proposes? Trois éléments, trois chances et rendez-vous à Montréal.
Oui, je voudrais être de l'autre côté de l'Atlantide, s'il vous plaît. Moi aussi. Et la jambe, ça va? Oui, ça va. De toute façon, avec toutes les pilules qu'ils m'ont données, je ne sens plus rien. Mais tout est en ordre. Alors, bonne nuit. Bonne nuit, ma soeur. Faites beau rêve. Mmh. Oui, entrez. Tu sais quoi? Quand on aura fini avec tout ça, je connais une petite île grecque, Hydra. L'île blanche et bleue. Tu t'amollis, Germain? On mangera des olives le soir. Sur le port, devant l'hôtel, pas loin. Puis on se saoulera avec du raisiné. Tu connais le raisiné? Je suis petite, monsieur. Je connais rien. Tu me connais? Je sais pas. Je viens juste de te rencontrer. Mais moi, ça fait longtemps que... Une cigarette. Descends et reste ici. Moi, je me charge de l'ambulance. Vous parlez français? Interlich. Je suis câblé à l'Argomus, mon pote. Bon, très bien. Eh bien, alors, en voiture, Simone. Je veux.
Dans un quart d'heure, je prends un bateau pour Naples et ensuite un vol pour Montréal. Oui, oui, c'est ça. J'ai rencontré des confrères qui m'ont adoptée. Oui, je vous raconte tout en arrivant. Et surtout, n'oubliez pas de prévenir Médecin des Hommes. Allez, ciao. Attendez. Oui, j'écoute. C'est Tokarev. Il vient de se réfugier au consulat du Canada. Aidez-moi. Je me vois le consul. Non, je me vois le commandant Schumann. Oui, le commandant Schumann. Bonjour, je suis le commandant Poirier, votre agent de liaison. Alors, enchanté. Vous avez fait un bon voyage? Excellent, mais notre ami a besoin de repos. Ah. Alors, allons-y. Poirier. Okay. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais? Ah ouais, ce sont des écologistes. Ils attendent la délégation française. Eh oui, la démocratie n'a pas que des bons côtés. Toujours décidé? Encore plus que jamais. À tout à l'heure. Arrivé en provenance de Rome, Air France, vol 720, porte numéro 18. Arrival from Rome, flight 720, Air France, gate number 18. Ma petite là. Oh, chut. Non. Si, encore. Oui, oui, monsieur. La route est bloquée, on attend les délégations. Oui, oui. Qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce qui se... Baissez la vitre! Baissez la vitre! Nous ont kidnappés à Istanbul, je suis médecin! Aidez-moi!
Mais il faut les fouiller. Ils empoisonnent les filles. C'est l'anniversaire aujourd'hui. Ils ont tué Ali. Ils ont tué Wally. Mais oui. Excusez-moi. Ma secrétaire ne tient pas très bien la chapangue. Vous savez ce que c'est. Ah oui, je comprends. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe là? Il y a un peu la délégation chinoise qui doit habiter par là. Chinois? Oui, oui. Des rigolos, faut pas s'en faire, c'est des rigolos. Vous pouvez continuer votre route tout de suite, c'est pas grave. Allons, dégagez les voitures. Allez. Comment faut-il t'appeler, hein? Lebrun ou Langelier? Appelez-moi maître, simplement. Laissez-nous, s'il vous plaît. Merci. Fameuse arme Ypsilon. C'est donc ça. C'est pas grand-chose. Mais c'est tout. Oh, c'est un échantillon. Où sont les autres composants? Germain Langelier, n'essaye pas de me voir. C'est sérieux. Cette affaire peut faire capoter la conférence sur le désarmement. Bobby Katzander, dans 24 heures, vous aurez votre Watergate. Ah, mais dis-moi clairement. Tu as les preuves de l'utilisation de l'arme chimique, oui ou non? Écoute, cette arme se compose de 3 éléments. J'ai déjà un élément, c'est pas si mal. Ah oui. Mais ça vaut 3 fois moins cher. Ah bon? J'ai d'autres acheteurs qui m'offrent beaucoup d'argent. Ah, Germain, arrête. Il faut des preuves en béton. Sinon... Dès que les 2 autres éléments arrivent sur le sol canadien, on doit me prévenir. Je me suis d'ailleurs permis de donner ton numéro de téléphone. En attendant, tu as les clés de ton labo parce que j'ai là quelques photos qui vont faire le tour du monde. Bon, le gaz est une mélange de dioxyde de phosphate. Ah oui, le vieux gaz moutarde. C'est ça, l'hyperite. Et aussi de l'hévicite. Et puis, il y a un énervant qui est le sarine. Alors, dès que les éléments en suspension, les éléments actifs touchent à l'eau, cela démultiplie encore la puissance. C'est-à-dire qu'un gramme peut empoisonner peut-être 100 hectolitres. Et surtout, il n'existe aucun filtre naturel pour l'éliminer de l'eau. Et l'ozone, le charbon? Non, parce que le problème est qu'il ne s'oxyde pas. Donc, on ne peut pas l'éliminer dans les usines de décantation classiques. De plus en plus gai. Et les toxines T2 sont-elles responsables, elles seules, de tous les symptômes? Non, les vésicantes provoquent particulièrement les gonflements, les... comment... Les Les brûlures de la gorge et du nez. Tandis que le innervant, le sarine, s'attaque particulièrement aux moelles osseuses et au système lymphatique. Et la toxine T2, elle provoque les hémorragies et l'asphyxie finale. Nous sommes loin de la conférence. Non, n'écrivez pas ça, mademoiselle. Et il existe un antidote?
Oui, il y a un antidote, oui. Mais il est personnel. C'est seulement pour les utiliseurs de l'arme. C'est une injection. Vous savez, au début, tous ces effets étaient étudiés sur le bétail. Pas sur les hommes. C'est quand je me suis rendu compte que des hommes pouvaient être victimes, j'ai décidé. Vous êtes en danger, monsieur Tokarev. On va vouloir vous tuer. Que nous offrez-vous en échange de notre protection? Et tous ces renseignements. Vous voulez rire? Tout ce que vous nous racontez là, nous le savons déjà depuis très longtemps. Si vous voulez nous prouver votre désir de collaborer réellement, il faudrait faire un petit effort. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Nous donner des preuves tangibles de l'utilisation de cette arme? Ou alors la formule de l'antidote? Si je ne peux pas. Votre sort se décidera à un niveau beaucoup plus élevé. Je n'aime pas vos méthodes. J'ai des ordres. Et vous aussi. Alors ? Sérald, Trotsky, Bakounine, ce sont des amis très sûrs. Jean-Claude. Bon, la salle de réunion est en haut. Jean-Claude. J'arrive. Fermez-la. Et attachez-la. Ce ne sera pas nécessaire. Faudrait vous mettre d'accord, là. Hein? Alors, allez-y, allez-y. Faites comme a dit les camarades. D'accord. Camarade. Vous croyez à la clandestinité avec des clowns qui affichent leurs opinions comme un foulard? C'est un groupe des rondes prolétariennes. Je les connais. Ils sont sûrs et entraînés. En tout cas, il faut que ce soit clair. Personne ne fait rien sans que j'en donne l'ordre moi-même. Naturellement, camarade colonel. Nous sommes à vos ordres. On s'occupera de l'hôtellerie. J'ai un bureau pour vous, là. Si vous voulez. Et vous répondez d'eux, personnellement. Je n'ai aucune confiance dans ces groupuscules. Et vous croyez que le sort des opprimés va se régler dans une conférence? En tout cas, la conférence aura lieu. Je vous le garantis. Ce n'est pas un journaliste de la retraite qui va l'empêcher. Dans 48 heures, il me faut les deux autres éléments à leur place. Oui? Je frappe sur l'impérialisme et la bourgeoisie. Elle te plaît, la jeune femme charitable, hein? Sortez. Ne fais pas la prude. Il fait ça très bien, tu verras. C'est un homme du désert, pas un minet dégénéré.
assez. Aidez-moi, je vous en prie. Ils sont complètement fous. J'ai rendez-vous avec votre fiancé, mademoiselle. Je tiens à lui offrir un petit souvenir de vous. Là, asseyez-vous. Venez, on ne vous fera pas de mal. Voilà. Mettez le masque. Vous le gardez comme ça. Bien, en dessous, là. Bien. J'ai froid. Laissez-moi m'habiller au moins. Non, je vous préfère comme ça. Point de vue d'artiste, rassurez-vous. Non! Laissez-moi! Pas de brutalité. Fais des photos, c'est tout. Allô, Germain Langelier à l'appareil. Allô, Christine? C'est Christine. Ils m'ont arrêté. Je suis menacée de mort si tu ne donnes pas les deux autres éléments. Germain, j'ai peur. Ce que vous avez entendu était un enregistrement. Si vous voulez revoir votre amie vivante, vous nous rapportez gentiment les deux autres éléments qui manquent. Vous avez d'autres instructions demain matin. Si vous parlez à la police, Christine est morte. Allô, attendez.